Intégration du signal, déterminer le nombre de protons équivalents. On superpose parfois sur les spectres RMN une courbe d'intégration. Elle est constituée de paliers successifs. La hauteur séparant deux paliers successifs est proportionnelle au nombre de protons qui résonnent. Ça peut être un proton ou plusieurs s'il s'agit de protons équivalents. Exemple 2,2 diméthylpropanol, dont voici la formule semi-développée. Le premier palier de hauteur H1 correspond à 7 hydrogènes. Il n'y a qu'un seul proton, donc la hauteur du palier est égale à H1. Le deuxième palier correspond à ces deux hydrogènes. La hauteur H2 est égale à deux fois la hauteur H1, puisqu'ici on a deux protons, alors qu'ici on n'en a qu'un. Le troisième palier a une hauteur H3 qui vaut 9 fois H1. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 protons équivalents. Donc 9 fois plus que celui-ci où il n'y a qu'un seul proton. Une remarque importante, attention, ce n'est pas la hauteur des pics qui nous donnera une information sur le nombre de protons équivalents, mais bien les hauteurs comparées des différents paliers.